C'est une prise de contact avec les acteurs du secteur privé que le ministre en charge du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou-Nguesso, a initié pour décliner ses priorités, celle d'impulser une nouvelle dynamique en faveur de l'émergence de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires. Ensemble, nous réorganiserons les partenariats public-privé afin de les rendre plus attractifs, plus productifs et plus efficients. Il nous a été donné de constater que la majeure partie des partenariats publics-privés étaient contractés par de grandes sociétés, pour la plupart non congolaises. Ce qui est une excellente chose car cela démontre l'attrait de notre pays comme terre d'investissement. Seulement, nous voulons donner aux Congolais une chance et aller plus loin, en permettant aux opérateurs congolais de rejoindre le cercle des entreprises déjà présentes. La voix du secteur privé portée par le président du Nikongo et celui de la Chambre de commerce de Brazzaville rassure le chef du département ministériel précité de la disponibilité à approfondir ce partenariat socio-économique. Nous saisissons l'occasion que vous nous offrez pour vous rassurer de notre disponibilité au dialogue public-privé, tant indispensable pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Dans son message, le ministre Denis Christelle Sassou-Nguesso a promis organiser des échanges permanents avec ses partenaires pour favoriser les investissements et la diversification de l'économie nationale.